réaction à ce fait divers qui s'est passé, qu'un jeune homme de 20 ans a violé, battu à mort une femme de 85 ans? Ma réaction par rapport à ça, c'est offusqué. C'est quelque chose qui ne devrait pas arriver. Mais quand ces choses-là arrivent, qu'est-ce qu'on a tendance à faire? C'est blâmer X, blâmer Y, blâmer Z. Mais en fait, c'est la société en son ensemble qui est responsable de ça. Nous sommes tous responsables, vous, moi, tout le monde. Que faire? Marv est en train de faire de son mieux pour sensibiliser ces jeunes, pour éviter justement que des jeunes ne deviennent plus tard des agresseurs, ne deviennent plus tard des gens qui commettent ce genre de choses. Ce jeune homme qui a commis cet acte vraiment tout à fait déplorable et offusquant, que peut-on lui dire? Est-ce qu'on sait si lui, il a des problèmes ou pas? Il a eu des problèmes ou pas? Quel est son cas? Est-ce que c'est un acte gratuit? Est-ce que c'est un acte réfléchi? Toutes ces questions se posent maintenant. Qui a les réponses? Moi, je n'ai pas les réponses. Vous avez des sessions de coma. Comment ça se passe au niveau des jeunes maintenant? Ils sont ouverts, ils sont plus attentionnés vers leur soeur, vers leur mère, vers leur grand-mère. Tous ces jeunes à qui nous avons parlé, une chose est claire. La majorité d'entre eux ne se rendait pas compte de ce que c'est que la violence faite à l'égard d'une femme. Après nous avoir écoutés, ils se sont rendus compte et ils ont compris ce que c'est. Même pendant cette session, il y en a qui ont pleuré même. Ils ont réalisé que s'ils veulent vivre dans une société meilleure, ils ont intérêt à changer. Ils ont intérêt à changer leur attitude vis-à-vis de la femme. Ils ont intérêt à tout revoir. Est-ce que vous pensez pas que c'est pas l'heure au niveau de MAP, de faire une émission de radio, du chemin, quoi, donc c'est pas l'heure de passer, de se servir un peu des autres médias, plus personne, plus petit. Nous sommes déjà intervenus à la radio et à la télévision, deux ou trois fois à la télévision, mais dans un programme qui est plutôt général. Vous me dites, est-ce qu'on devrait participer ou organiser un programme qui ciblerait plus précisément le travail qu'on fait? C'est pas à moi de le faire, c'est aux médias de venir nous dire, nous inviter à en parler, bien sûr. Si on nous invite pour faire ces choses-là, bien sûr qu'on va le faire, parce que c'est le but. Le but, c'est de sensibiliser le maximum de jeunes possible. On le fait avec les moyens qu'on a et du mieux qu'on peut.